Le jour de ta sortie. Ah, bah, tu vas voir Scrabble, s'il te plaît. Justement, quand je suis Ashabi, il m'a reconnu la voix. Non, Takara, c'est. C'est le manchar, le verdict. Le Maroc, au début, de par sa façon de voir les choses. Le Mostaganem, et puis non, ils se sentaient plus algériens que les Afghans, à Alger, d'une dizaine d'entreprises. Je me sens très bien, en bonne santé, ravi de retrouver les miens, la famille, les amis. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, la prison, mais je suis très heureux. Même si je suis resté libre dans ma tête, même si j'étais enfermé, mais je suis quand même heureux de retrouver la liberté vraie. On supporte bien et mieux ce genre de verdict quand on est un éternel optimiste. Moi, je suis un éternel optimiste et un éternel positiviste. Je ne sais faire que être journaliste. C'est la profession que j'exerce avec fierté et bonheur depuis 15 ans. Et je suis heureux de revenir à cette profession et de retrouver cette formidable profession. Et j'espère surtout que ma prison va contribuer à renforcer la liberté de la presse en Algérie, va en faire une liberté sacrée, intouchable, et j'espère que je suis le dernier journaliste algérien qui rentre en prison.